Salut à toutes et à tous, c'est les Petits06 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Grand Turismo 6, le Let's Play. Alors aujourd'hui donc, on continue le défi Red Bull X avec le championnat Red Bull X 2014 Junior, des voitures de 250 petits chevaux et hyper légères. Toujours en face cam. Salut, en face cam. Salut. Oh, ça commence bien, problème avec mon œil. Putain. C'est bon. Ah bon, tout va bien. Tu te portes que de mal. Alors, la Red Bull X 2014 Junior 728 pp. Le câble, tu vas là. Tu commences à me saouler. Bah, c'est parti. Hein ? Voilà. Avec des voitures un peu plus puissantes que les petites cartes. Donc là, ça va être un peu plus difficile. On va batailler comme des petits cochons. Oulala. Allez. Poum 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 poum. Allez, allez, dépêche-toi. En espérant que cette fois-ci ça se passe mieux que le kart. Ouais. Faut bien s'occuper pendant que ça charge. Oh, tiens, ça a chargé plus vite que d'habitude. Peut-être que la mise à jour a un peu accéléré le truc. Oh. 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 Oh, je kiffe le bruit. Oh, je kiffe le bruit. Oh putain. C'est pas facile à conduire, mais c'est sympa, hein. Faut prendre le poids de la voiture en compte. Oh, la vue elle est géniale, la caméra comme ça elle est géniale. On a un peu de caméra très gravée. Bien à l'aspi, comme toujours, faut pas l'oublier. Bon, je crois qu'on va devoir refaire certaines courses. Hein. Allez. Ça tombe très très bien. Oh, c'est un gameplay génial. Oh, c'est sympa. Je peux franchement y aller, hein. C'est niveau agressivité, c'est pas mal. Ouais.
Eh ben franchement, première course, comme ça, génial cette caisse. Pétard, la Red Bull X Junior, elle est géniale. Le gameplay, c'est super. Ça va vite, c'est vraiment cool, hein. Puis le bruit de la bagnole, le moteur, il est trop classe. Franchement, là par contre, là, on va bien s'éclater avec ces bagnoles-là. Hein. Ah là, franchement, il y a de quoi s'amuser. Hein. Il y a de quoi rigoler. Hein. Il y a de quoi rigoler. Hein. Mais il faut attaquer, hein. C'est des voitures où tu peux lui mettre, comme on dit, sa maman. Hein. Tu lui mets sa main. Hein. Allez. Alors, deuxième circuit, j'ai pas regardé. La course 2, c'est quoi? Twin Ring Motegi, mais quelle version? Parce que bon, il y en a 3, hein, vous le savez. Ah. La version 1. C'est la version 1, je crois. Ouais, attends. Distance qui est le 13. Ouais, c'est la version normale. C'est la version numéro 1. Ok. Et c'est parti pour la deuxième course à Motegi. Ah non, c'est la version 2. Non, c'est la version 2. Oh, la porte là. Wow. Elle est agressive. Ah, ok, t'es agressif. Ok, y'a pas de problème. T'inquiète, c'est le jeu, n'a pas vu du 7. Mais attention, moi je vais l'être aussi. Franchement, le design de ces caisses, c'est excellent. Ah, par contre, là pour le coup, ils se sont gavés les développeurs. Oh, comme je l'ai niqué. Ouh, comme je l'ai niqué, lui. Ouh, ça fait mal. Là c'est trop de PGM pour lui. Trop de PGM pour l'IA. Eh, franchement, je vais le répéter 20 fois, mais je kiffe trop cette caisse. Putain, mais ça se pilote comme... Et comme un vélo, c'est énorme. Non. On va te bouffer l'Irata.
Oh allez! Encore une fois, même endroit que tout à l'heure. Un peu loin, je tente, ça passe. Oula, oh, c'était chaud, mais c'est passé. C'était magnifique, quelle action. À montrer dans toutes les écoles de pilotage. La manche numéro 2 est remportée par les petits. Olé. Quelle victoire les amis. Mais moi comme ça c'est génial. Là je m'amuse, c'est incroyable. Putain, qu'est-ce que c'est kiffant comme truc, comme gameplay. La voiture elle est trop kiffante, c'est génial. Franchement, si vous vous emmerdez sur ce jeu, faites cette compétition parce qu'elle est comme ça hein. Ah c'est génial, ça, on s'amuse. Alors la course 3, allez, on la fait ouf. Ouh, grande vallée speedway. Oh, ça va être marrant ça. Ça va être drôle. Ouh. Hein. Portion un peu étroite et des portions plus larges. Ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Ça va vraiment être sympa. Hein. Oula, ça va. J'espère que mal. Le gars est un peu plus agressif encore. Hein. Je crois qu'il y a une mage là-dessus. Oh là là, je crois que c'est mort celle-là. Non, je me déconcentre. Allez, on a un petit peu plus de vitesse. Ça va. Allez. Non, on va pas y arriver.
L'IA est trop agressive, je peux pas les niquer là sur le circuit. Ouais, bah on va finir très loin, 6ème. On va devoir recommencer cette course. Le problème, je suis l'IA, elle est trop agressive. Enfin, là sur cette course, elle est trop agressive parce que t'as qu'une seule. Une seule ligne droite où il y a de l'espace et tout le reste c'est étroit. Donc tu peux rien faire. Tu te fais dégager par l'IA en moins de 2 secondes. Non, c'est. Là, cette course c'est frustrant. On va devoir la recommencer parce que c'est impossible. Impossible. Ouais, on a fini trop loin. Putain, ah c'est gavant, merde, bon bah tant pis, la vidéo sera plus longue que prévu. Désolé, mais bon là, hein, si vous voulez, oh, putain, à Rome, alors là, laisse béton. Ouais, je choisissais encore des circuits plus étroits aussi. Non, sérieux. Pour l'instant ça va. On dirait que la spi marche mieux en ville là. Allez, on bouffe, on bouffe, on bouffe.
Ça a beaucoup mieux se passer. Ça se passe beaucoup mieux sur ce circuit que sur le précédent. Et pourtant, il n'est pas très large hein, à certains endroits. Bon bah maintenant, il va falloir filer jusqu'à la ligne d'arrivée. On a encore ce tour et le prochain et c'est bon. Faut faire attention, hein, ça peut partir très vite en sucette. Même avec la spi, normal. Attention à la ligne droite. Hein. Yes! Eh bah dis donc, elle était serrée cette fin de course. Super! Ça s'est mieux passé que la précédente. Bon, ça va, on en a qu'une seule à refaire pour l'instant, ça va. Ça va. Bon, alors du coup, on repasse premier du classement général avec 20 points d'avance. Allez. La dernière course, la course 5. Course du titre Brenzach. Ouh, ça va être dur. Là, c'est pas un circuit simple. Hein. Allez, on peut le faire. Ça fait qu'une course à refaire pour l'instant. Ça va. Allez, on y croit. On y croit. Dur comme fait. Allez. Non. Pardon. Parfait pour l'instant. Pardon. Je me freine un chemin. Version longue. Avec la spice barre, attends, on revient. Là, il y a encore moins de place que sur le circuit 3 ou le circuit 4.
Mais dégage. Allez, on va le bouffer celui-là, on va le bouffer. Allez, c'est ici. Oh, l'extérieur. Ouh, ça c'est magnifique. Ça c'est un peu comme faire une bicyclette au foot. Oh ça aussi c'est magnifique. Oh là là, on est intenable, intenable. Ouais mais attends, pourquoi ils nous font pas ça en deux? Pas comme vous. Et voilà les gars, on est champion du Red Bull, enfin de la truc Red Bull X Junior 2014. Ouh là là, un peu long, voilà, la Red Bull X 2014. Bon bah ça va, on a qu'une seule course à refaire, c'est cool, ça va, c'est génial, sympa. Ouais, voilà, c'est pas comme le truc où il y avait les cartes où on a dû refaire deux circuits. Ouais, on a qu'un seul à refaire, c'est pratique. Et voilà. Voilà, le titre, c'est pour Bibi. Normalement, un petit cadeau. Ils vont nous la donner. Voilà, j'en étais sûr. Ah merde, j'aurais pu la choisir dans une autre couleur. Bah c'est pas grave, je peux changer la couleur à volonté de toute façon. Enfin, je crois. Je la prends. Allez, congratulations. Ah. This stage is now cleared. Thank you very much. Let's move on to the next stage. OK. Alors, c'est celle-là. Allez. Bon, allez, plus que ça à refaire, on est tranquille. Ça fait combien de temps dans la vidéo? Oh, ça va! Ouais, c'est cool, c'est génial. Bon allez, on va essayer de pas se fail direct. On va essayer de niquer tout le monde. Allez, allez, on peut le faire.
Fais gaffe là. À l'attaque. Il faut les bouffer plus vite. Allez, 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 allez. Faut que je nique les trois direct. Putain. Ah non. Bon, bah les gars, je dois recommencer, donc je vais pas non plus rester là 15 ans, donc je vous retrouve à tout de suite pour la suite. Bien, ah, me revoilà. Eh bah ça a été compliqué, hein. J'ai dû m'y reprendre deux fois, pour y arriver, mais c'est... Même en recommençant, on s'amuse. Cette catégorie-là, mais elle est géniale. Géniale. On s'amuse, mais... C'est incroyable. Ah, bah dis donc. Ah, c'était bien. Ah, franchement, je suis content. Là, ils ont fait un truc vraiment sympa, là. Ouais. Bon, bah voilà, tout en or. Voilà. Donc, bah la prochaine fois, donc nous aurons les... Red Bull X standard, les vrais de vrais. Donc celle-là, je pense que c'est à peu près, on va voir ça. Ah. Le V6 2 litres produit environ 3 fois la puissance d'une Red Bull Junior à 800 chevaux. Pièces aéro sont également plus affinées pour produire un maximum d'appui. L'appui produit par l'effet Venturi du diffuseur est très fort. Avec cet appui uniforme, la vitesse en virage est plus grande et requiert plus de contrôle. Essayez maintenant de conduire le modèle Red Bull X standard. Voilà. Donc là, 800 chevaux. Plus d'appui encore. Et là, là par contre, là, les circuits, là, là ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Bon, et ben voilà. Et ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça me fait pas, ça fait pas de mal et ça me fait plaisir. Je souhaite passer une très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. La moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas. Très important.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Salut à tous. Bisous. Bonnes vacances aussi.